professionnel de l'audiovisuel, déployer plus d'efforts. Mais c'est vrai que ce qui est bien, eh bien maintenant il faut casser, je crois, la tirelire. Et monsieur Houssem Ben Yahya qui donne le coup d'envoi, voilà, c'est parti pour 90 minutes et ce sont les Mouloudiens qui donnent le coup de son titre. Allez, Benchaïra qui cherche une tête et c'est le gardien Moussaoui, coéquipier. Échange et c'est Badjo, c'est bien joué. Le mouvement est assez rapide et on cherche dans la profondeur Andy Delors qui était un peu court. La foulée. Que se passe-t-il? C'est en dégageant Bouhelfeya. Et oui, il ne fallait pas s'interposer devant l'adversaire. Dabti. Oussama Medahi qui répond. Attention, Andy Delors et la remise. L'intervention de Draghi qui vient sauver. Là, c'est l'action la plus dangereuse du Mouloudia depuis le début de la rencontre. Ah, le tir n'est pas... Mais on revoit d'abord Tapti qui donne à... Ça, c'est ce qui a fait sauver... c'est ce qui a sauvé, pardon, plutôt, alors que Naïjila, la reprise... Peut-être qu'il a mis trop d'effet à cette reprise. Deuxième poteau. Non, le premier poteau et c'est... Il n'est pas content, mais là... En tout cas, on va revoir et regarder, c'est Andy Delors qui dégage. Langue transversale, ça c'est bien joué au milieu. Et la reprise, oh, il a raté. Ah, je crois qu'il... En tout cas, là, l'excellente remise de la tête de Tamin Mundir. Malheureusement, au milieu, Baouch, Ibrahim, Tamin, on a une deux. Et ça n'a pas marché. Mais si bien, je regardais la construction, le 1-2. Peut-être c'était un peu trop rapide avec bien fait Ibrahim Dib. Ah, il a tiré alors qu'il avait deux solutions. Deux solutions, c'est tout. Ah. Très bonne remise d'abord de Omeyele et Ibrahim Dib. Il a tenté de s'appliquer, mais ça manquait un peu de conviction. N'avait pas assez de conviction, peu de... Et on l'appelle... Et ça monte difficilement. Tapti. Tapti et Hleimia mettent le ballon en touche. C'est le coup de coude. Et quand on confond joueur et ascenseur, ça donne ça. Je plaisante. Monsieur Ben Yahya, pour remettre un peu d'ordre, toute la défense du Mouloudia, enfin, toute l'équipe du Mouloudia défend. Le corner au premier poteau. Et ça n'a pas trouvé preneur. Et il y a qu'à la fin, regardez ce ballon qui voyage au milieu de la défense. Et c'est Tahar qui est allé au contact, ce n'est pas Tamin. Ah, Tahar qui accélère, il a du champ, il y va tout seul. Le ballon pour Tamin, le but. Oh, qu'est-ce qu'il a raté! Omeyele, les bois ouverts devant lui. Et il n'avait qu'à placer le ballon. Il a choisi la force au lieu de... Regardez le placement. Très bien joué de la part de Fethallah. Tamin Mundir qui... Et il y avait... Ah ben, c'est bien sûr le tackle qui était là pour empêcher Omeyele de mettre le ballon. Mais regardez, c'était très intelligent. Et c'est Zougrana. Et ça a frôlé la transversale. C'est la plus grande et la meilleure occasion du CS Constantine face au Mouloudia depuis... Oui, c'est pas très loin. Moi, je croyais que ça avait rasé, mais... Et c'est terminé. Score 0-0 entre le Mouloudia d'Alger et le CS Constantine. Va donner le coup d'envoi. Voilà, c'est pas Brahim Dib qui est un peu court. Hleimia ne le retient pas. Brahim Dib... À l'intervention de Badjo, mais surtout l'intelligence de Mouali. Tahar Fethallah, le centre. Oh, la reprise de Benchaïra, non. Il préfère, là, il y avait position de hors-jeu. Non. Il n'y avait pas de position de hors-jeu de Tamin Mundir. Alors que Rabi'i Miloud, qui a du champ, il préfère jouer sur Baouch Lahouari. Le gardien Moussaoui qui sort. Albéry qui a été un peu trop dilettant. Il aurait pu laisser passer. Il y avait Fethallah et ça permet à Mouali de tirer. C'est pas passé très loin. Ça a rasé
la lucarne droite du gardien. Mais regardez ce qu'a fait Moali. Sur le ralenti, vous allez vous apercevoir, bon, pas sur celui-là, que ce n'est pas passé très loin. Regardez Moali, ah, qui a même effleuré. Ça va dégager un peu la toile d'araignée qui était là. Avec ce ballon de Kipré, ah, en extérieur, et c'est le but. Ah, le but, non. Ah, le tir de Naïji. Ah, j'avais crié au but parce que c'était l'action du but avec cette passe lumineuse de Kipré. Regardez, il n'avait qu'à pousser le ballon, mais le gardien constantinois est sorti. L'excellente récupération d'abord de Akram Bolas qui trouve Kipré. Et regardez la passe en profondeur. C'est un grand joueur. Antier Delors qui a piqué la tête mais n'a pas trouvé le fond défilé. Naïji qui tente et trouve, mais le ballon passe à côté. Le montant droit de Bouhel Duchamp. Il pique, il va marquer, il va tirer. Bouhel Feya. Bien compris. Côté de Boudrama, alors que a tué le match de part et d'autre. Un petit ballon en cloche, Merzouki, Bouhel Feya qui sauve le but. Oh, le but Mouloudia avec cette reprise, alors qu'on demande une faute de main, mais Naïji, la reprise qui marque à la 71e minute de jeu. Les deux changements qui ont donné leurs fruits du côté du Mouloudia. Alors que monsieur Beniria est pris d'assaut par les Constantinois qui viennent demander. Mais attention, on va revoir Bouhel Feya qui va. Allez, mais le but est validé, hein. Merzouki, alors que l'on voit la reprise, ce n'est pas de cette manière, ce n'est pas de ce côté que l'on verra. Allez, Bouhel Feya et Naïji, ni de ce côté. Pour l'instant, le but est validé, il est clair, limpide. Allez, Hleimia, c'est lui qui joue ce coup franc. La tête piquée de... Et là, voilà, on voit pas, il n'y a pas de faute de main. Le but est validé, il n'y a pas de faute de main. Je ne l'ai pas vu. Si dangereux, Brahim Deeb qui cherche une tête. Le ballon est renvoyé, mais Salam El Mahi. Il prend libre. Mouaki qui centre. Et Benhoussini, le but. L'égalisation de Benhoussini d'un joli coup de tête qui remet les pendules à l'heure à la 83e minute de jeu. Le coaching gagnant de Khairuddin Madoui, Benhoussini, qui remet en cause l'avantage du Mouloudien. C'est un but partout. Le centre de Dadi Mouaki et Benhoussini d'une tête piquée ne donne aucune chance à Moussaoui qui encaisse ce but. Un but partout. Après 84 minutes de jeu, il ne reste plus que 6 minutes dans ce match, mais c'est là, c'est la réponse. Alors, en plus, ça, ce sont les deux joueurs qui sont rentrés, Mouaki et Belhoussini. Quelle belle tête piquée qui ne donne aucune chance à Moussaoui. Ça fait un but partout. Et Dadi Mouaki, Bolas qui résiste, Bolas il a du champ, Bolas il va ouvrir. Bouhel Feya sur la trajectoire du ballon, mais c'est Joe, il perd le ballon. C'est bien joué, Belhoussini de tirer. Le poteau qui dit non. Le poteau passé un tir, le ralenti et il était battu, Moussaoui. Là, c'est la chance qui tourne pour le Mouloudia, puisque là, le gardien était battu. Et Feya Hleimia. Et Bouhel Feya, bien campé par le nouveau gardien international. Le score de 1 but partout entre le Mouloudia d'Alger.